Nous apportons des offres à toutes les femmes médecins. Mais il y a des quartiers comme la ZAC Avenir, comme le centre-ville, comme la Palissade, le Gol, Roche-Meg, Bois-Neuf-Coco. Eh bien, il y a un fort taux de population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, nous mettons en place, comme je disais, des ateliers, mais nous allons également développer un service public de proximité. Donc, il va y avoir, comme le Gol et le centre-ville et la Palissade, très prochainement, en début d'année, une agence communale pour l'accès aux droits et à l'information et aux services, la CADIS. Donc avec tous les partenaires sociaux, tels que le conseil départemental, la CGSS, la CAF, la DRFIP, les associations. Donc c'est à travers ces services publics-là de proximité que nous allons vers notre population pour pouvoir leur donner l'accès aux droits sociaux. Les deux causes déterminantes pour moi, c'est l'emploi et aussi les activités. Donc, développer l'activité économique locale, donc c'est une priorité. Nous avions sur la commune de Saint-Louis des acteurs économiques qui souhaitent s'installer. Donc, nous allons y contribuer et leur apporter le nécessaire qu'il faut pour pouvoir justement développer Saint-Louis.